Un pneu dégonflé ? Pas de panique, ce sera vite réparé. Souvent, vous n'avez même pas besoin d'enlever la roue de votre vélo. Desserrez les supports de frein et retirez le bouchon de la valve et sa bague de maintien. Sortez le pneu de la jante à l'aide d'un démonte-pneu. Vous pouvez maintenant retirer la chambre à air du pneu, y compris la valve. Maintenant, gonflez la chambre à air pour trouver l'endroit de la perforation. Si nécessaire, utilisez un seau d'eau afin de pouvoir trouver la fuite en voyant d'où s'échappent les bulles d'air. Si vous avez un feutre à portée de main, vous pouvez marquer l'emplacement de la fuite. Savez-vous que l'adhésif adhérera mieux si vous poncez d'abord la surface où se situe la fuite sur la chambre à air? Vous pouvez le faire avec du papier de verre. Une fois fait, vous pouvez appliquer la colle à caoutchouc. Attendez quelques minutes pour que le produit fasse effet. Appliquez ensuite l'adhésif à l'endroit de la fuite et appuyez fermement. Laissez le tout agir pendant quelques minutes supplémentaires. Maintenant, il est temps de replacer la chambre à air dans le pneu et le remonter sur la jante. Commencez par la valve. Lorsque tout est en place, vous pouvez regonfler le pneu. Resserrez fermement l'écrou de la valve et reconnectez les freins. Vous êtes maintenant prêt à poursuivre votre tour à vélo. Bonne route!